Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing AliExpress. Alors, je ne sais pas encore qui c'est, mais vous savez déjà, c'est écrit dans le titre. J'ai deux colis juste là. Par rapport à mes commandes du 28 mars, donc si vous vous rappelez bien, j'ai fait quelques commandes chez plusieurs vendeurs pour tester les vendeurs et aussi pour deux autres vendeurs que je connais déjà où je voulais des toiles. J'ai profité d'une promo que faisait AliExpress. Et dans mes commandes, il me reste plus que deux toiles, Huracan, si je me trompe pas, et Momo Arts, parce que j'ai déjà eu donc celle de Manu Rachel Store, je ne l'ai pas encore. On est le 19 avril, je ne l'ai pas encore. La Momo Arts, je crois que je l'ai pas eu. La Ever Moment, je l'ai eu. La Huracan, je crois que je l'ai pas eu. La AZQSD, je l'ai eu. La Evershine, je l'ai eu. Donc il me reste plus que Huracan et Momo Art. Donc l'une des deux qui est là. J'en ai une qui est en boîte. J'en ai une qui est dans un truc en mousse, je crois. Donc les deux commandes, je les ai reçues le samedi 16 mars. Donc les deux ont été commandées le 28 mars. Et je vais vous dire comment elles ont été expédiées. Alors on va commencer par celle-ci. Celle-ci, elle est en boîte. Donc la dernière, ce sera celle qui est en papier bulle. Donc vous voyez un petit peu tous les vendeurs que j'ai. Hein. J'ai tout qui est rangé, qui a des dossiers séparés sur mon compte YouTube. Vous avez des dossiers pour chaque vendeur, sauf les AliExpress. Ils sont tous regroupés dans un seul. Donc vous allez dans la playlist AliExpress et vous verrez bien les différentes vidéos. Vous voyez par rapport au titre, vous voyez les différents vendeurs. Comme ça, si jamais vous avez des vendeurs que vous souhaitez que je teste ou des vendeurs que vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein, je regarde tout ça. Si vous, par contre, vous avez des vendeurs chouchous que vous n'avez pas encore vus sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Hein, je veux bien découvrir, que ce soit diamant rond, diamant carré. Hein, faut pas hésiter. Maintenant, j'aime beaucoup aussi faire du rond. Je préférais le carré pour le rendu. Mais le rond, c'est quand même plus de détente, plus de multiplaceur aussi. Donc ouais, je fais pas mal de ronds ces temps-ci. Hein. Si je le peux, je le fais. Alors, chez qui c'est ce style de boîte? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Il y a écrit Diamond Painting. Ouais. Non, il n'y a rien d'écrit qui peut m'indiquer qui est dans cette boîte. Donc en voyant l'image, je pourrais tout de suite savoir qui c'est. Donc allez hop, on va ouvrir ça. De toute façon, je ne garde pas mes DP en boîte. Hein, je les garde tous aplatis. Hop, hop, je vais tout de suite enlever les saletés parce que s'il faut que je décolle le papier, on va éviter les catastrophes. Alors comment c'est présenté? C'est présenté comme ceci. On a la toile et le toolkit. Donc vu que la toile est enroulé dans un boudin. Je pense que les diamants doivent être à part dans un coin. Alors, le toolkit. Bon, il est passé au travers. Et la toile. Hop. Ah, alors ça doit être Huacan. Vous voyez, il y a écrit Huacan. Alors, je vais prendre juste ma feuille Huacan. Alors, ce n'est pas Huacan Official Store, à ce que je vois que j'ai commandé. C'est Huacan Handman Craft Store. À mon avis, je suis allée trop vite et je m'en suis rendu compte quand j'ai rempli ma feuille que je n'ai pas commandé chez Huacan même. Mais c'est une filiale de Huacan. Hein. Donc, cette toile-ci. Donc, comme d'habitude, j'ai envoyé la photo à Huacan et je les ai laissé choisir la taille. Hein, totale confiance en eux. Comme ça nous permet de voir ce que ça donne quand on les laisse choisir. Donc toujours emballé comme ceci avec papier opaque pour colle double face. Hop, et donc c'est eux qui ont choisi la taille. Ils ont choisi hop, une 50 par 50. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup qui n'ont pas choisi 50 par 50 pour ce style d'image. Hop. Si jamais les images que vous voyez dans mes unboxings vous plaisent et que vous n'arrivez pas à les trouver sur Pinterest ou autre, vous n'hésitez pas à me demander, je vous envoie par mail l'image ou sur Facebook ou Instagram, ou peu importe, je vous envoie l'image. Mais sachez que vous faites une capture d'écran du moment où vous voyez l'image, par exemple quand je vous la montre électroniquement. Et là, vous la mettez sur Pinterest en recherche image, comme ça vous pourrez la retrouver facilement. Alors, hop, on va mettre les diamants de côté. Et donc chez Huacan patati patata, hein, le nom super long, donc c'est pas l'officiel.
Voilà le toolkit qu'on a. Bon, de toute façon, le sac va partir à la poubelle, je ne peux pas le réutiliser. Donc, on a comme d'habitude notre petit stylet transparent avec le boudin. On a un multiplacer. Alors, est-ce qu'il y a écrit quelque chose dessus? Non, il n'y a rien écrit, donc je pense que c'est un 4, ça. Ok, donc là, il est bien propre, bien limé. Là, on a sûrement un 10. Alors, voyons voir comment il est. Il est bien propre, hein. Il est bien limé, bien propre. On a une pince noire. Ah, elle est plus dure. Elle est beaucoup plus dure. Je suis moins fan des pinces qui sont dures. Je préfère les pinces souples, style Evermoment. Et je crois que vous avez fait l'unboxing là tout à l'heure de Evershine. Evershine aussi, je la trouvais souple. Alors ensuite, on a deux pains de colle. Hop, vous voyez, ils sont accrochés. Qui sont transparents. Ils sont transparents, donc ça va partir à la poubelle. Je garde que les pains de colle bien opaques. Parce que sinon, j'en aurais trop. Puis les opaques, à ce qui paraît, sont meilleurs. Puis même, je trouve moi-même qu'ils sont meilleurs. Alors, cette barquette-ci, ça fait très peu de temps que je commence à en avoir assez souvent quand je commande sur AliExpress. Je n'ai pas encore testé ce genre de barquette, mais c'est la première fois que j'en ai une propre. D'habitude, il y a des bavures de partout. Donc, je pense que les autres, je ne vais pas les garder. Et je vais faire une ouverture là. Parce qu'en fait, ça, j'aime pas le fait qu'il n'y ait pas d'ouverture. Je vais faire une ouverture. Et comme ça, je vais pouvoir la tester comme il faut parce que ça me plaît pas. Alors, hop, je regroupe tout ça dans la barquette. Voilà. Hop, hop. Je vais remettre ça dans le sachet au moins pour la barquette. Voilà. Alors, ensuite, la toile. Alors, comment je vais ouvrir ça encore un coup. Donc, c'est bien, elle est bien emballée, elle est bien attachée et tout ça. Mais alors, pour l'ouvrir, c'est la galère. Mais bon. Vaut mieux que le transport se passe bien. Aïe. Je viens de me retourner l'ongle, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, j'essaie de vous cacher l'image. Là, elle est dans ma main. Hop. Est-ce que ça glisse? Oui. Un mot Fifi. Un mot Osiris. Voilà. Hop. Alors, ça à la poubelle. Voilà. Et on va dérouler cette toile à mer, pardon, à mince. Il y a un scotch. J'oubliais. J'oubliais qu'ils nous mettent un petit scotch jaune. Hop. Pas trop appuyé pour pas percer. Voilà. Hop. Et est-ce qu'il est possible que j'enlève ça? Ouais, voilà. Hop, je vais enlever le scotch. Ce sera mieux. Alors, je vous la mets comme ceci pour que vous ne voyez pas trop l'image. Hop. Alors, en tout cas, entre... là, on est sur Huracan. Tout à l'heure, j'ai fait Evershine. Il y a quelques temps... Enfin, pour moi, c'était il y a quelques semaines. Je vous ai fait AZQSD. Franchement, c'est à chaque fois le même style de toile. Hein. Avoir les diamants et tout le reste, mais c'est le même style de toile à chaque fois, ce bord plus épais de chaque côté, avec le tableau qui est dessus, qu'on n'a pas de feuille de suivi, les diamants qui sont en sachet refermable, le papier comme ça qui est coupé, enfin bon, à part ce qui est écrit sur le papier blanc et le type de diamant et le toolkit, au pire, c'est les seules différences que j'ai. Hein. Il n'y a pas grande différence. Alors du coup, pour cette toile en 50 par 50, ah si, il y a les prix qui sont différents. Celle-ci est à 13,44€. Donc j'ai pris avec des promos. Hein. C'est pas le prix sans promo que vous aurez. Hein. Donc c'est pour ça. Sur AliExpress, préparez-vous une commande et ziotez si vous voyez des promos. Hein. C'est vraiment ça qui vaut le coup. Alors, je vais la retourner. Hop. Donc, comme ceci. Et donc pour une 50 par 50, là j'ai 45 couleurs. Tout à l'heure, on en avait 48. Et celle d'avant, je ne saurais vous dire, ça fait plusieurs semaines pour moi. Alors, oh punaise, il y a je ne sais pas combien de papiers. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. C'est pareil que l'autre. On va défaire ça. Alors, est-ce que je vois déjà les papiers? Ils ne sont pas du tout coupés droit, comme celle de Evershine. Là, c'est coupé à la bonne franquette, à l'arrache. Là, c'est un peu près droit, un peu près. Mais là, c'est à l'arrache. Je vais galérer. Mais alors, galérer à y remettre. Non, je vais commencer de ce côté-là parce que si je commence de l'autre... Bon, là, le papier vient bien, mais la colle ne suit pas. Ça, c'est très bien. Ah!
Pour Evershine et AZQSD, le fond, c'était le même symbole. Exactement le même symbole. Et je crois, je ne suis pas sûre, que c'était la même DMC. Alors là, en tout cas, ce n'est pas le même symbole. Donc, on verra bien au niveau de la DMC. Mais ce qui me fait peur pour cette toile-là, vous allez voir qui c'est, hein, je pense déjà que là, vous arrivez à reconnaître. Ce qui me fait peur pour cette toile-là, c'est son visage. Parce que dans le layout, ils m'ont mis des petits points dans le visage et j'étais pas fan. Ah, il y a encore la flèche noire. Hein. Ils ont encore fait ça. Hein. Ils m'ont encore mis la flèche noire. Donc la flèche noire, ça veut dire que c'est dans le sens où ils l'ont mis pour mettre la colle. Vous en avez souvent une de ce côté-là et une en haut. Des fois, vous avez de chaque côté. Là, je peux pas contrôler là, mais en tout cas, en bas, il n'y en a pas. Là, du coup, elle y est. Bon, elle y est entre deux symboles. Donc, ça va, vous savez quel symbole est juste en dessous. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Et donc, je vous disais, donc, comme vous le voyez, c'est Mulan. Et quand ils m'ont montré le layout, elle avait des espèces de taches sur le visage d'une autre couleur. Et ça faisait très, très moche. Et là, en regardant, eh ben, elle n'a plus les taches. Donc au final, heureusement, je me suis dit, allez, j'y vais quand même pour tester. Parce que du coup, là, je n'ai plus les taches et c'est très joli. C'est ça qui me faisait très peur. Alors, hop. Donc comme vous voyez, c'est Mulan avec Mushu autour du cou et des fleurs. Je pense que ça doit être des fleurs de cerisier qu'elle a autour d'elle. Plus une dans les cheveux. Hop. Donc c'est vraiment une très belle image. J'aime beaucoup. Je la trouve très très jolie. Hop, est-ce que vous voyez tout? Alors attendez. Voilà, je vous ai un petit peu remonté le trépied, comme ça vous la voyez un peu mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que là tout de suite maintenant, je vais vous faire la coupure informatique pour vous voyez ce que donne l'image informatiquement. Voilà, et je vois que chez Huacan, ils ont le même problème que chez AZQSD, que n'a pas Evershine. C'est qu'ils m'ont un petit peu rogné mon image. Je ne sais pas si vous avez bien regardé, mais alors cette étoile-là, normalement, je suis censée l'avoir jusqu'au bout. Celle-ci aussi, je suis censée l'avoir jusqu'à la pointe. Bah là, non. Là, ils m'ont rogné mon image. Là, sur le bas, c'est bon. Là, sur le haut, c'est bon. Mais non, ces étoiles-là, je ne les ai pas jusqu'au bout. Donc, à mon avis, sur ce côté-là, ça va être pareil. Parce qu'il y en a encore... il y en a une là, il y en a une encore là-haut, normalement. Une, deux... Oh là, je crois qu'il manque même une image. Il manque même une étoile. Parce que l'étoile, elle tombe là. Et là, vraiment, je tombe au bord. Donc, je suis même pas sûre de l'avoir. Donc, voilà. Dites-vous que si vous voulez envoyer une image à Huacan ou à AZQSD, si je me rappelle bien. Ouais, ça doit être ça. Dites-vous que ne rognez pas trop l'image. Parce qu'ils vont vous la rogner. Voilà. Parce que moi, sur le layout qu'ils m'ont montré, je les avais bien, mes étoiles. Et là, je reçois... Il manque des étoiles. Bon, je vais pas faire un litige ni rien parce que c'est vraiment pas très très important. C'est pas très grave. Mulan est là, Mushu est là, les fleurs sont là. Une grosse partie des étoiles sont là. Mais bon, c'est pas réellement ce que j'avais demandé. Donc, faites très attention. Si par exemple vous trouvez une image sur internet pardon, et vous souhaitez la rogner pour avoir quelque chose de précis, laissez une marge. Laissez une marge quand même. Tant pis si vous la recevez justement avec cette marge que vous ne voulez pas. Vous recouperez, c'est pas grave, vous mettrez votre washi tape qu'on met habituellement là où la colle dépasse, vous le mettrez justement là où vous ne voulez pas diamanter, et comme ça quand vous aurez terminé, déjà il y aura le washi dessus, ça protégera, ça évitera que vous vous collez dessus, et vous, quand vous couperez, bah, au moins vous couperez ce qui dépasse, et voilà on n'en parle plus. Donc franchement, ne rognez pas trop, pensez-y, qui c'est qui a pensé à l'âne trop là. Alors, cette image-ci, bah bien sûr que je vais lui mettre des AB. Je vais en mettre dans les étoiles. Je vais en mettre dans les fleurs. Ça, c'est sûr. Je vais en mettre au niveau de son chignon avec les baguettes. Peut-être un petit peu au niveau de ses yeux pour le maquillage, mais pas les joues, hein, vraiment juste au-dessus. Mushu, c'est sûr. Mushu, je vais lui mettre des AB. Sa tenue, je vais mettre des AB. Je pense... Alors, j'hésite entre le jaune ou le blanc à l'intérieur. Je sais pas. Ses cheveux, non, parce que je vois que c'est que du B. C'est que du B. Je pense que ça doit être le noir, mais c'est que du B. Les feuilles, je pense pas. Le kimono, je ne sais pas.
Je ne sais pas du tout. Je sais que Moshu, lui, c'est sûr, mais voilà. Voilà pour les abbés de cette toile. Par contre, je vois que le symbole, vous voyez, du fond, c'est un petit pont. Ça fait deux bâtons qui sont de biais. Donc, ça fait un petit pont. Et les autres fonds qu'on a eu, AZQSD et Evershine, c'était du J. Et là, le J, c'est sur son visage. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire ces toiles-là assez rapidement. Peut-être leur faire un carré là sur le bas. Sur le bas, on a souvent les fleurs qui commencent. Comme ça nous permet de voir bah, déjà le fond. Et ça nous permet de voir plusieurs couleurs. Donc j'aimerais bien les commencer, mais je vous avouerai qu'avoir 40 000 toiles commencées, j'aime pas trop. Là, actuellement, on est le 19 avril. J'avais, il y a pas si longtemps, 10 toiles en cours. Et là, j'en ai 4, 5. 6, 7, là j'en ai 7 en cours encore et je suis pas du tout à l'aise avec ça parce que du coup je me fais des nuits blanches. Bah, déjà de base, je fais des nuits blanches pour pas que vous attendiez trop longtemps les toiles. Sachant que je travaille, hein, je ne suis pas du tout à la maison, je travaille de 7h30 à 18h, je suis au travail. Du coup, ça fait beaucoup de toiles et en fait j'aimerais passer à 3 toiles en cours. 3 toiles, une en carré et deux en rond. J'aimerais faire ça pour arriver à avancer les toiles un peu mieux. J'aurais l'impression d'avancer plus rapidement parce que plusieurs toiles en même temps, c'est pas possible. J'avance pas. Pour vous dire, il y a une toile qui est juste là. Qui est juste là. Elle est suspendue. Elle a un carré entamé depuis 5 mois. Depuis 5 mois, elle est là, suspendue. Et il y a un carré qui est entamé. Alors je sais qu'il colle. Il n'y a pas de souci parce qu'il y a le papier devant et je vois que le papier il colle bien. Mais je sais très bien qu'il y a des endroits, ça va pas le faire, donc il faut que je me dépêche de la reprendre. Mais voilà, je pense qu'il faut que j'arrête de vouloir faire plein plein de choses. J'ai très peu de temps, pourtant j'aimerais vous faire des tonnes de choses, j'ai des tonnes d'idées, mais j'ai très 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 peu de temps. Et c'est pour ça que ces toiles-là, je pense que encore, elles sont toutes en sachet zip, donc au pire, je peux faire des petits carrés et aller les remettre dans les pochettes parce qu'elles sont petites. Mais il faut que j'arrête de vouloir faire des tonnes de toiles en même temps. Donc je vais remettre le papier et on va regarder le tableau et les diamants. Je vous dis à tout de suite. Alors voilà, j'ai remis le papier. Franchement, il s'est super bien remis. C'est le meilleur de tous là. Il s'est super bien mis. Vous voyez, juste à quelques endroits. Bon, bah c'est pas parfait, parfait, mais c'est super bien mis. Les autres, d'habitude, j'ai un petit, voilà, un petit jour comme ça. Mais là encore, je trouve qu'il est bien bien mis. Mais sinon, les autres, ça s'est bien chevauché. C'est parfait. La colle ne déborde pas du papier. Tout est bien mis. Il n'y a pas de souci. Donc on va regarder le tableau. Alors malheureusement, je n'ai pas de feuille de suivi, donc je vais vous mettre comme ceci. Si ça veut bien zoomer. Voilà. Donc comme d'habitude, on a notre image, on a le numéro, le symbole, la DMC, la quantité de diamants. Donc voilà ce qu'on a comme symbole. Alors je trouve que le tableau, pour moi, il est lisible, sauf là où il y a les rouges. Mais de toute façon, photocopie, on agrandit et on met ça sur les pots, hein. J'ai du 3. J'ai le B là, le 939. Donc c'est celui-ci de noir qui a été choisi pour cette toile. J'ai aussi du 310, mais les cheveux de Mulan sont surtout du 939. Donc 818 le visage, 819 le fond. Je me rappelle plus ce que c'était les autres fonds des autres toiles. J'ai un 5, j'ai un 6. Ouais, ça a l'air d'aller. J'ai une note de musique. Je trouve que les symboles, franchement, ils ressemblent énormément aux autres toiles. AZQSD, Evershine. Franchement, les symboles, ils se ressemblent énormément. Donc 45 couleurs, une 50 par 50. Ok. Alors, on va regarder les diamants. Donc, les diamants sont comme pour Evershine, pas comme AZQSD. AZQSD, c'était à peu près rangé. Là, vous voyez, c'est en mode. Voilà. J'ai jeté ça dans le sachet. Hop. Alors, où c'est que ça s'ouvre? Juste ici. Hop. Et voilà. Voilà. Alors, comme d'habitude, on a notre fond, hein. Alors, notre fond, je trouve que c'est la même couleur. C'était peut-être ça, les autres couleurs. 819. Je vois juste là. Il est où le 818? Ah, je ne sais pas, là j'ai un doute du coup. Bref, peut-être que c'était 818, les autres le font, je ne sais pas. Donc voilà 819, on va regarder tout de suite les diamants ce qu'ils donnent, puis après on regardera le noir. D'ailleurs, il est où? Ah, c'est ça. 939, c'est ça. Et là, c'est le 310, ok.
Alors le 310 était quand même assez mal taillé pour Evershine. AZQSD, je ne me rappelle pas, mais je trouve que pour Evershine, si je me rappelle bien, le fond était propre, mais le noir ne l'était pas. Hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Hop, on va regarder ça tout de suite. J'ai toujours du mal à faire mes lignes. Aujourd'hui, c'est catastrophe. J'arrive pas à faire mes lignes. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, il y a un petit déchet là, juste là, celui qui est sur les lignes. On a l'endroit. Mais sinon, tout le reste m'a l'air pas mal. Là, le multiplaceur, il n'y a pas de souci. Hein. Là, ça va y aller. Là, pour cette couleur-ci, il n'y a pas de souci. Donc, c'est mon fond, le 819. Ouh, j'ai failli faire une catastrophe. Alors, attendez, hop, je vais remettre tout ça là-dedans avant de refaire une. Hop. Ah, le sac est tellement blindé que je suis vraiment à ras, hein. Je peux pas trop rentrer ma barquette dedans pour que ce soit plus facile de la vider. Alors, attendez, hop, j'ai des diamants qui sont bloqués. Mmh. Ils sont bloqués, c'est génial. Hop, petit stylet qui sauve la mise. Voilà. Et le diamant qui s'est sauvé. Donc, vous voyez, c'est vraiment rare. Hein. Là, ils l'ont blindé comme pas permis. Hein. Alors, je pense que c'est nouveau, hein, parce que je me rappelle pas que quand je regardais les unboxings d'Hélène et le Diamond Painting à l'époque, que tout était dans des sachets refermables. Je crois qu'avant, c'était vraiment des petits sachets de 200, il fallait les compter pour être sûr qu'on a ce qu'il faut. Là, je ne peux pas vraiment compter, je peux juste contrôler ce qu'ils ont écrit sur l'étiquette du sachet. Donc, sur le sachet des diamants, il y a écrit le numéro, la DMC et la quantité de diamants qu'il y a dans le sac. Donc c'est tout ce que je peux faire, hein. Je ne peux pas faire grand chose pour contrôler. Donc à part leur faire confiance, c'est tout ce que je peux faire. Alors là, le 939, il n'y a pas de souci. Il est vraiment nickel. J'ai rien à dire, il est propre. Du coup, ça me donne envie de regarder le 310. Je suis désolée, du coup je vous embête avec ça. Parce que c'était le 310 qui était catastrophique pour Evershine. Donc voir si pour tous, le 310 c'est de la mouise. Ou si c'était vraiment Evershine qui avait un truc tout pourri. Alors 310, il est tout petit. Hop. On va quand même un petit peu hein, pour que ça puisse faire des lignes. Ouais, bah c'est tout ce 310. Là, c'est pas top top. Je vois des petits trucs qui débordent. Je vois des diamants pas beaux. Ouais. C'est tout ce 310. Alors oui, c'est bien aligné, hein, mais vous le voyez pas très bien. Là, par exemple, là, celui-ci, là. Vous voyez, il y a un truc qui dépasse. Là, ici, il y a un truc qui dépasse. Là, ici, il y a un truc qui dépasse. Là aussi. Voilà, ça se voit pas très très bien, mais en tout cas, vous pouvez les poser et que ça soit aligné, mais ça va popper. Ça va popper, ça c'est sûr. Ou alors, ça fera un écart. Bon après si vous voulez en coller, c'est à vous de voir hein, si vous voulez y poser ou pas. C'est votre choix. Mais à ce que je vois, Evershine et Huacan, ils ont le même problème avec le 310. Pas le 939, mais le 310. Donc faites attention avec vos toiles en noir. Hein. Le problème c'est que vous voyez, Mulan elle a les cheveux noirs. Je pensais peut-être que j'aurais du 310 partout. Au final c'est du 939. Et tant mieux pour moi. Alors on va regarder quand même vite fait les diamants. Là ils ont marqué qu'il y en a 21 746. Donc c'est la 16. La 16, il m'en faut 19 245. Donc ça, c'est très bien. Où c'est qu'il y en a un qui n'a pas beaucoup de diamants? Le 3, le 8. Le symbole numéro 3, mais le sachet numéro 8. Ça c'est un coup à faire une boulette. Hein. C'est pas ça, si. Si, c'est ça. Le 703, il m'en faut 10. J'en ai 11. Non, j'en ai pas 11. Ils m'en ont pas prévu qu'un seul. Non, c'est pas possible. Alors, attendez.
Attendez, on va faire le truc bien. Pas possible qu'il m'en ait prévu qu'un seul de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, c'est 11. Ça, là, c'est 11. Ça, c'est pas 11. Voilà, ils ont écrit qu'il y en a 11, hein. C'est bien ça, c'est le 8, le 700. Ouais, bah oui. Voilà, bon, bref, ce qu'il y a écrit sur le papier et par rapport à ce que vous avez dans le sac, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Tant que c'est en plus, c'est très bien. Du moment que c'est pas en moins. Voilà. Tant que j'ai plus que ce qu'il y a écrit sur le sac, moi, ça me va très bien. Au mieux que ce soit dans ce sens-là que l'inverse, hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous étaler pour qu'on voit toutes les couleurs et je vous reprends tout de suite. Donc voilà toutes les couleurs qu'on a dans cette toile. On a du bordeaux, on a du vert, du noir, du vert, du vert, du vert, du rose, du vert, du beige un peu jaune, du bleu, du marron, du bordeaux, du rouge, du beige, du rose, du bleu, du marron, du rose, du rouge, du violet, du rose, du marron, du bleu noir, du rose, du marron, du vert, du orange, du rose, du noir, ouais, du marron noir, du rose, du rose, du rose, du rose, du rose, du violet, du jaune, du rose, du marron, du marron, du beige et du blanc. Là, on est du 3865 comme blanc. Donc voilà toutes les couleurs qu'on a dans cette toile. Mais évidemment, j'ai vu le 369, j'ai très envie de le mettre en AB celui-ci. Un vert très pomme, très clair. Celui-ci aussi, le 703, c'est un très beau vert en AB. Donc voilà les différentes couleurs. Je pense que le blanc, ça doit être pour les étoiles. Donc à mon avis, il va finir en AB. Donc voilà les différentes couleurs, c'est sûr et certain hein, qu'il y aura des AB dans cette toile-ci. Donc voilà pour cet unboxing. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut !